Bienvenue sur votre toute nouvelle chaîne Enigma et Mysterium. Nous allons partir à la découverte d'énigmes et explorer les mystères dans cette quête de l'inexpliqué. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouveauté, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos. Notre premier sujet aborde un thème dont les interrogations restent nombreuses. Réel ou mise en scène, plongeons dans le monde fascinant des Men in Black. Dans l'univers mystérieux de l'ufologie et du paranormal, émerge le phénomène des hommes en noir. Qui sont-ils vraiment ? Sont-ils de simples agents responsables d'effacer soigneusement les traces d'informations compromettantes ? Ou bien, derrière leurs apparences, se cachent-ils en réalité des extraterrestres en quête de dissimulation ? Leur présence échappe totalement à la connaissance des gouvernements, surtout les gouvernements attentifs à ces faits, comme les États-Unis. Témoins d'une vague d'enlèvements et de disparitions attribuées aux extraterrestres, ce danger se dessine sur l'horizon de cette hypothèse. Des coups retentissent à la porte, quelques jours seulement après avoir été témoins de phénomènes étranges dans le ciel. À votre seuil se dressent trois hommes sinistres et à la peau pâle. Leur costume noir, leur fine cravate noire, leurs lunettes de soleil et leur chemise blanche créent une image déconcertante. Ils vous présentent des pièces d'identité qui semblent officielles et vous posent un ultimatum, les laisser entrer ou les accompagner. Leur présence non sollicitée est intimidante, voire effrayante. Leurs paroles sont imprégnées de menaces, exprimées dans des tons froids et monotones. Ces étrangers énigmatiques vous bombardent de questions au sujet de ce que vous avez observé dans le ciel, de vos interactions sociales et de vos confidences. Leur ton devient vraiment malveillant lorsqu'ils vous somment de leur remettre toutes les preuves photographiques que vous pourriez détenir. Trop tard, vous réalisez que ces visiteurs sont bel et bien les aussi subitement qu'ils sont arrivés, s'attardant brièvement à votre porte pour lancer une dernière mise en garde, vous devez cesser d'évoquer les ovnis sous peine de subir des conséquences. C'est le récit effrayant relaté par des centaines de témoins oculaires d'événements ufologiques. Nous allons dévoiler à quel point les rencontres terrifiantes avec ces prétendus Men in Black sont bien plus fréquentes qu'on ne le croyait jusqu'à présent. De plus, ces rencontres ne se limitent pas à un seul lieu. Elles surviennent à travers le monde entier et remontent très probablement à plusieurs siècles. Il se pourrait que la conception moderne des Men in Black, ces mystérieux personnages qui captivent les ufologues et les théoriciens du complot, ait vu le jour le 27 juin 1947. Tout commence à la fin des années 40, au sillage de l'événement de Roswell. Qu'il s'agisse d'un événement authentique ou non, cette occurrence singulière ouvre les portes de l'imaginaire collectif au méandre des complots et des manœuvres dissimulées ourdies par les instances gouvernementales. Pendant les années 50, alors que le concept des soucoupes volantes et des êtres venus d'ailleurs est encore dans sa prime jeunesse, émerge une figure singulière, les hommes en noir. Ces personnages énigmatiques, tels des ombres, se mettent à hanter les témoins d'apparitions d'ovnis et les chercheurs dédiés à ces enquêtes. Ils exercent une pression intimidante, usant de menaces, pour les enjoindre au silence. Les portraits de ces individus étranges évoquent fréquemment des silhouettes vêtues de noir, chapeautées d'élégants couvre-chefres sombres. Ils se déplacent à bord de voitures noires, le plus souvent des modèles américains classiques. À cette époque, l'opinion courante veut que ces individus soient des agents d'une organisation gouvernementale secrète. Leur mission serait d'éradiquer toute mention publique d'OVNI et d'extraterrestres, d'effacer toute trace de leur existence. Pourtant, à mesure que les années s'écoulent, cette perception subit une transformation. Les défenseurs de l'existence de ces mystérieux acteurs envisagent désormais une perspective différente, ces prétendus agents gouvernementaux seraient eux-mêmes des êtres venus d'ailleurs. Le film éponyme de 1997 aborde avec légèreté le complot ourdi par les hommes en noir, conférant à l'intrigue une touche d'humour déconcertante. Toutefois, pour ceux qui se retrouvent face à ces êtres énigmatiques, le rire n'est guère au rendez-vous. Une rencontre avec eux est tout sauf anodine. Avançons jusqu'en 1968. Le comité Condon plonge au cœur des attitudes du public face aux objets volants non identifiés. Présentant cette déclaration devant un échantillon représentatif d'Américains, derrière des portes bien gardées, une agence gouvernementale détient un dossier classé top secret, enfouissant intentionnellement les témoignages d'OVNI éloignés des yeux du public. La question est posée, vrai ou faux? Deux tiers des répondants se rangent du côté de l'affirmation. Si l'on transportait ce même sondage dans les méandres de notre époque, il y a fort à parier que la proportion d'approbation serait encore plus élevée. Rien de plus naturel au fond, de nos jours, nous évoluons dans un monde où l'information se déploie à perte de vue, ou du moins c'est ce qu'il semble, car tout dépend du prisme par lequel on la regarde. Surtout à l'ère d'Internet, qui a envahi tous les aspects de nos vies, il n'est guère surprenant de voir monter en flèche la tendance à questionner les détenteurs du pouvoir et à leur attribuer des responsabilités. Toutefois, revenons un demi-siècle en arrière.
À cette époque, la méfiance envers les rouages gouvernementaux ne prenait pas encore autant d'ampleur que de nos jours. Une réalité bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire se déroule en 1947. Kenneth Arnold, qui s'est passionné pour l'affaire des soucoupes volantes après son fameux survol du Mont Rainier, est dépêché par Ray Palmer, l'éditeur de la revue Amazing Stories, pour enquêter sur l'incident de l'île Maury dans l'état de Washington. En effet, trois jours avant l'observation d'Arnold, Harold Dahl, un surveillant portuaire de Tacoma, est témoin avec son fils du passage de six objets volants en forme de donuts. Les engins planent au-dessus de leur embarcation pendant leur patrouille près de Maury Island. L'un d'eux montre des signes de détresse, vacille, provoque une explosion et libère un filet de matière métallique brillante, liquide comme de la lave, qui blesse ce jeune garçon et tue le chien de la famille. L'objet s'échoue en mer, mais finira par repartir entouré des cinq autres appareils. Lorsque Kenneth Arnold débarque sur les lieux, il se heurte à la réticence d'Harold. Avec persévérance, Arnold le repoussera à surmonter ses doutes et finira par se confier. Dahl est parvenu à capturer des clichés de ses engins avec son appareil photo et les partagera ensuite avec ses collègues de travail. Le lendemain de cet événement, une buick noire se gare devant la maison de Dahl. Un homme en descend et se présente comme un agent gouvernemental. Malgré sa carte d'identité, Dahl reste méfiant et résiste à le laisser pénétrer chez lui. Il suggère alors de se rendre dans un restaurant très fréquenté de l'autre côté de la rue pour continuer leur conversation. Malgré les risques d'être surpris, l'homme en noir persiste et profère des menaces à l'encontre de Dahl, assorti de détails intimes sur sa vie privée, des informations qu'il ne devrait pas connaître. Ces mots laissent Dahl sidéré, d'autant qu'il n'a jamais partagé cette histoire avec quiconque. Suite à cette rencontre angoissante, Dahl cède peu à peu. Il commence à prétendre qu'il a tout inventé, que l'histoire des ovnis n'était qu'une farce. Cependant, il n'apporte aucune explication sur la manière dont il aurait convaincu son fils de participer à cette mise en scène ou sur ce qui aurait pu advenir au chien. Des années plus tard seulement, Dahl trouve le courage de briser à nouveau son silence sur les étranges engins que lui et son fils ont aperçus en ce jour de juin 1947. Après avoir commis l'imprudence de raconter son histoire à Kenneth Arnold et de lui remettre un échantillon récupéré de la soucoupe, Dahl disparaît. Aucun enquêteur ne parviendra à le retrouver. Son collègue Chris Mann est exilé en Alaska, rappelé subitement par l'armée où il avait servi comme pilote pendant la guerre. Les deux officiers de renseignement de l'armée venus enquêter sur place ne rencontrent pas plus de succès. Leur avion s'écrase peu après le décollage avec le morceau de métal à bord. Le journaliste Paul Lenz, qui avait assisté Arnold dans son enquête, meurt également peu après. Ted Morello, journaliste à United Press, également impliqué dans l'affaire, met Arnold en garde. Il l'exhorte à quitter la ville car la situation les dépasse. Morello reçoit en effet des appels d'un correspondant mystérieux, parfaitement au courant de ce qui se passe pendant l'enquête avec Kenneth Arnold. Le dernier appel informe Ted Morello que l'avion accidenté avait été saboté. Il fournit même l'identité précise des victimes 12 heures avant que l'armée ne communique officiellement à ce sujet. Quant à Arnold, il échappe de peu à un accident d'avion en rentrant chez lui. Son moteur gèle en plein vol et c'est grâce à son expérience de pilote et à ses réflexes qu'il évite le crash. Les échantillons remis à Palmer ne sont pas épargnés, une boîte à cigares les contenant est volée dans son bureau de Chicago. Une expédition dans le parc national de Joshua Tree, niché dans le sud de la Californie, offre une soirée paisible. Les amis se rassemblent, profitant de la sérénité du lieu, propice au camping nocturne. Au cœur de la nuit, une lueur étrange scintille dans le ciel. Un phénomène capte leur attention, distingué par son allure peu commune. Pour sûr, ce n'est pas un avion. La lueur étrange suscite leur curiosité et l'évidence surgit. C'est un ovni. Ils saisissent l'instant en quelques photos, charmés par le spectacle. La nuit s'écoule sans qu'aucune question ne trouble leur quiétude. Le lendemain, chacun reprend son chemin, ignorant les échos de cette nuit. Le destin tisse ses fils, amenant deux hommes vêtus de noir à la porte du jeune homme quelque temps après cet épisode. « Agents gouvernementaux, disent-ils, toquant à sa porte avec une aura de mystère. Leur connaissance de l'événement et de son rendez-vous avec lui étonne le témoin. Des interrogations s'ensuivent. Qu'avez-vous vu ce soir-là? À quoi ressemblait l'objet? Avez-vous pris des photos ? Le jeune homme subit leur interrogatoire, sentant un soupçon de doute s'insinuer en lui. A-t-il accidentellement interféré dans les dessins gouvernementaux en capturant ces images ? Lorsque l'entretien se termine, le jeune homme est laissé perplexe.
Des similitudes troublantes entre les deux hommes et la légendaire image des hommes en noir se dessinent. Il se décide alors à partager son témoignage car il est incapable de garder le silence. Finalement, il se rétracte, niant sa propre histoire, la qualifiant de mensonge. Les hommes en noir ont sans doute exercé une fois de plus leur influence, poussant à ce rétro-pédalage. Mais pourquoi ce besoin de faire taire? Quel secret protège-t-il? Leur existence soulève un voile épais de questions sans réponse. Il y a quelques années, l'enquêteur Gray Barker avança une théorie. Les hommes en noir seraient des agents secrets liés à l'armée américaine, gardiens des informations OVNI. Leur mission serait de surveiller, d'intimider et de préserver le secret. Certains posséderaient même une connaissance avancée de la technologie alien. D'autres théories suggèrent que les hommes en noir pourraient être des voyageurs temporels ou des entités surnaturelles, chargées de maintenir l'équilibre entre les dimensions. Quelle que soit la vérité, les hommes en noir restent l'un des mystères les plus captivants du monde de l'ufologie. En 1952, Albert Bender subit une campagne soutenue d'intimidation et de violence de la part d'agresseurs vêtus de costumes noirs. Albert Bender aurait pu être un contributeur notable à l'ufologie, même s'il n'était pas devenu la cible des MIB. Sa fascination pour les phénomènes inexpliqués prend racine pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il fonde la première organisation civile au monde dédiée au catalogage et à l'enquête sur les objets volants non identifiés, le désormais légendaire Flying Saucer Bureau. Écrivain expérimenté, il crée également la publication officielle de l'IFSB, la Space Review. Moins d'un an après son lancement, l'IFSB rassemble près d'un millier de membres. Chaque mois, il reçoit des lettres de personnes du monde entier affirmant avoir aperçu des ovnis et avoir parfois croisé le chemin des inquiétants Men in Black. À cette époque, Bender habite à Bridgeport, en Virginie, dans une maison appartenant à sa mère et à son beau-père. À mesure que son organisation croît, il transforme le grenier familial en centre de commandement. Il couvre les murs de cartes illustrant les observations d'OVNI les plus crédibles, et les classeurs regorgent d'informations issues du réseau sans cesse croissant de membres. Bender envisage de présenter ses preuves pendant sa première conférence annuelle pour les ufologues, partageant les mêmes idées courant en novembre de la même année. C'est précisément alors qu'il commence à rassembler ses preuves que les appels téléphoniques commencent. Le téléphone de la maison sonne dès que Bender se retrouve seul. À chaque fois, il n'entend que le silence à l'autre bout du fil. En pressant le téléphone contre son oreille, une soudaine sensation de vertige extrême s'empare de lui. Il décrit la perte de son sens de l'équilibre et un mal de tête intense qui persiste pendant des minutes après avoir raccroché. Un appel en particulier laisse Bender, homme en bonne santé dans la trentaine, si étourdi qu'il ne pourra pas retourner au grenier. Comme à son habitude, Bender se rend au cinéma en milieu de semaine. Le film se termine peu après minuit et entame le court chemin du retour chez lui. Le quartier est relativement sûr et sans criminalité. De nuit ou de jour, il n'y a aucune raison qu'un homme adulte se sente en danger. Pour cette raison, Bender ne prête pas attention au bruit de pas dans l'obscurité. Pourtant, il éprouve la sensation d'être traqué. Lorsqu'il s'arrête au coin de la rue, il croit percevoir des bruits de pas au loin. Après qu'il eut tourné au coin de la rue principale, les échos de pas derrière lui deviennent indiscutables. Surpris, mais pas tout à fait effrayé, Bender traverse la rue pour regarder plus haut ce qui se passe. C'est à ce moment qu'il aperçoit l'homme en noir. Grand et mince, sa peau d'un blanc pâle et son apparence a quelque chose de profondément étrange. Bender décrira plus tard l'homme en noir comme un facsimilé d'une personne plutôt que comme un être humain de chair et de sang. L'homme de 32 ans accélère le pas, mais les pas derrière lui s'accélèrent également. Pris de panique, il se lance dans une course effrénée et atteint son domicile quelques minutes plus tard. Il ferme la clé derrière lui et vérifie également que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée soient bien verrouillées. Après quelques minutes, les craintes de Bender s'atténuent et il décide de se retirer dans le grenier. Seulement pour découvrir que ses affaires ont été mises sens dessus dessous. Ses dossiers sont jetés hors des armoires, les cartes sur les murs sont arrachées et des papiers et des lettres sont éparpillés sur le sol. Le lendemain, Bender et son beau-père ajoutent une deuxième serrure aux portes. Bender confie qu'il est convaincu que l'intrusion chez lui est liée à son travail avec l'IFSB. Les semaines passent sans autres incidents, les appels vertigineux cessent et après avoir travaillé ardemment sa présentation sur les ovnis, Bender décide de retourner au cinéma. Il veille cependant à assister à une projection bien plus tôt afin de rentrer chez lui à la lumière du jour. Pendant une heure, il s'absorbe dans le film. C'est à ce moment-là que l'homme en noir s'assoit à côté de lui. Bender est paralysé par la peur. Du coin de l'œil, il perçoit la silhouette sombre qui le fixe.
Bender reste terrifié, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce que la silhouette se lève et s'en aille. Pendant les instants qui suivent, il se demande s'il doit rester au cinéma, entouré d'autres personnes, ou s'il doit se précipiter chez lui. Avant de pouvoir prendre une décision, il ressent la même sensation qui l'a envahi lorsqu'il a été suivi chez lui, le sentiment d'être épié par des yeux hostiles. Il se tourne vers la sortie. L'homme en noir se tient maintenant dans l'embrasure de la porte, le fixant directement. Paniqué, Bender se dirige vers l'autre sortie, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule. Il est évident que l'homme en noir tente d'effrayer Bender. Mais le jeune homme reste déterminé à rester fidèle à la mission de l'IFSB. Dans le numéro de juillet de Space Review, il promet à la communauté ufologique internationale une révélation surprenante lors de la première convention de l'IFSB prévue pour novembre. Bender prévoit-il de publier un compte-rendu complet de ses rencontres avec l'homme en noir? Quoi qu'il en soit, cette révélation ne verra jamais le jour. Quelques mois plus tard, la publication Space Review cesse d'être éditée et Bender stupéfie les 1000 membres américains de l'IFSB en annonçant la dissolution de l'organisation. Dans son dernier éditorial daté d'octobre 1953, Bender termine par un message énigmatique destiné à ses collègues chercheurs de vérité. Le mystère des soucoupes volantes n'est plus un secret. La source est déjà connue, mais toute information à ce sujet est cachée par ordre d'une source supérieure. Nous aimerions publier l'histoire complète dans Space Review, mais en raison de la nature de ces informations, nous avons été avisés par la négative. Je conseille à ceux qui travaillent sur les soucoupes d'être très prudents. Par la suite, Bender disparaît de la scène ufologique. Ce n'est que lorsqu'il réapparaît en tant qu'homme marié d'âge mûr, gérant un hôtel en Californie, qu'il finit par révéler ce qui lui est arrivé après cette nuit au cinéma. Alors, que s'est-il réellement passé? Quelques jours après l'envoi du numéro de juillet 1953, Bender reçoit la visite non seulement de l'homme du cinéma, mais aussi de deux collègues tout aussi sinistres. Cette fois, c'est à l'intérieur de sa propre maison que Bender se confronte à eux. Une série de coups sur la porte le tire de sa somnolence devant la télévision. Seul dans la maison, il ouvre la porte d'entrée, s'attendant à y voir sa mère et son père avec une explication: ils auraient oublié leurs clés. Au lieu de cela, il fait face à trois hommes en noir. Après avoir exhibé une sorte de badge gouvernemental, il passe devant la porte d'entrée et guide Bender jusqu'à son salon. Là, d'un ton glacial, ils informent l'ufologue pétrifié qu'il doit mettre fin à toute enquête sur les ovnis. Nombreux sont ceux qui, comme Ward Dahl, auraient été terrifiés par une seule visite de ces Men in Black. Cependant, Bender est résolu à poursuivre son travail pour les FSB. Peut-être cela a-t-il directement conduit les Men in Black à répondre par une démonstration de force. Bender ne croit pas que les Men in Black soient des agents gouvernementaux. Il affirmera plus tard que les MIB lui ont confié qu'ils ne sont pas de cette terre. Au fil du temps, les sceptiques ont utilisé la santé mentale de Bender pour rejeter tout ce qu'il a vécu. Il souligne que ses comportements obsessionnels portent la marque de troubles obsessionnels compulsifs, voire d'autisme. Mais avec nos avancées dans la compréhension de la santé mentale, les partisans de Bender demandent désormais à ses critiques: et alors? Nous comprenons aujourd'hui que de nombreuses maladies dites mentales sont non seulement courantes dans la population, mais qu'elles peuvent également être à l'origine des contributions significatives de nombreuses personnes à la société. Finalement, nous nous retrouvons avec deux questions. Croyons-nous Bender, et si oui, quelle partie de son histoire considérons-nous comme les plus crédibles? Ces affirmations selon lesquelles les Men in Black étaient eux-mêmes des extraterrestres sont extraordinaires, et des affirmations extraordinaires exigent le genre de preuves exceptionnelles que Bender ne pouvait pas fournir. Certains ufologues sont convaincus que Bender a été la cible des forces sinistres venues de notre propre planète. Se faire passer pour des agents gouvernementaux était la méthode privilégiée par les MIB pour accéder au domicile de leurs victimes. Nous le savons parce que l'agence de renseignement de l'US Air Force était tellement préoccupée par ces opérateurs inconnus se faisant passer pour leurs agents qu'elle a diffusé un document datant du 1er mars 1979 à leur chaîne de commandement. Intitulé « Usurpation d'identité d'officiers de l'US Air Force », il indiquait que des informations non vérifiables étaient parvenues au QG de l'USAF concernant des usurpations d'identité d'officiers et d'autres personnes du secteur de la défense. Tout le personnel militaire et civil devait immédiatement en informer le commandement. Le document détaille ensuite comment les citoyens ont été trompés, voire intimidés, à remettre des photographies d'OVNI à ces imposteurs. Il est donc clair que plus de trois décennies après les premiers rapports américains concernant les Men in Black, une profonde inquiétude régnait au sein de la machine militaire américaine quant à la véritable identité de ces personnages sombres et insaisissables. Cependant, bien que des dizaines de milliers de militaires aient alerté sur l'existence des MIB, il n'existe aucun rapport dans le domaine public indiquant que l'USAF ait jamais été proche de découvrir qui se cachait derrière ces agents présumés. Aucune arrestation n'a eu lieu, aucune piste n'a été suivie, aucun indice n'a été trouvé.
En l'année 1976, le docteur Herbert Hopkins, un médecin de famille respecté, se retrouve confronté à une expérience des plus déconcertantes. Le soir du 11 septembre, dans la quiétude de sa demeure du Maine, il est témoin d'un phénomène ovni déjà signalé par d'autres personnes plusieurs mois auparavant. Peu de temps après, le téléphone de Hopkins retentit. Il décroche et une voix masculine se fait entendre à l'autre bout de la ligne, prétendant représenter la New Jersey UFO Organization, qui sera plus tard révélée comme un canular. L'appelant s'enquiert de la présence d'Herbert et lui demande la permission de le rencontrer pour discuter de l'affaire sur laquelle il enquête. Hopkins acquiesce et l'homme lui assure qu'il arrivera dans peu de temps. À peine a-t-il raccroché que Hopkins se précipite vers la porte d'entrée pour activer la lumière du porche. À sa grande stupéfaction, il constate que l'homme est déjà en train de monter les marches de sa maison. Un sentiment d'inquiétude s'insinue en lui car il réalise que l'homme n'aurait pas pu atteindre sa porte en si peu de temps depuis la fin de leur conversation téléphonique. Les téléphones portables n'existent pas à cette époque après tout. Malgré ses doutes, Hopkins est curieux de découvrir ce que cet individu désire. Il l'invite donc à entrer et dès le premier regard, l'apparence de l'étranger le frappe de plein fouet. L'homme est grand et mince, enveloppé dans un costume sombre. Son allure est couronnée d'un chapeau noir. Sa peau, d'une pâleur quasi cadavérique, ne présente ni imperfection ni aspérité. Lorsqu'il retire son chapeau, Hopkins remarque que son crâne est chauve, lisse comme un œuf, ni cheveux, ni sourcils, ni cils. Ses lèvres arborent un éclat rubis d'un rouge profond et sa voix dépourvue de toute émotion s'exprime dans un ton monocorde. Chaque mot est distillé avec une régularité métronomique. Tout au long de leur entretien, l'étranger reste étonnamment immobile, à l'exception de ses lèvres en mouvement. Comme si cela ne suffisait pas à accroître le malaise, à l'une des rares occasions où l'inconnu esquisse un geste autre que celui de parler, il essuie sa bouche du revers de sa main, laissant une trace rouge sur sa joue. Hopkins réalise que l'étranger porte du rouge à lèvres et qu'en réalité sa bouche est une fente rectiligne sans courbure. Une sensation de peur grandit en Hopkins lorsque l'étranger lui demande de sortir une pièce de cuivre de sa poche. Comme guidé par une force étrange, Hopkins s'exécute sans un mot. Comment cet homme mystérieux pourrait-il savoir qu'il a une pièce en cuivre dans sa poche? Le médecin a l'impression que cet étranger peut d'une manière ou d'une autre lire dans ses pensées. Hopkins tient la pièce dans sa paume et l'étranger lui demande simplement de l'observer. Alors quelque chose d'étrange se produit. La pièce change de couleur, du cuivre à l'argent, puis la couleur s'estompe comme si elle était floue. Finalement, elle disparaît sous les yeux perplexes de Hopkins. L'étranger adresse alors à Hopkins un avertissement. Si Hopkins ne se tait pas, il risque de subir le même sort que la pièce de monnaie. Pendant que ces mots sortent de sa bouche, la prononciation de l'homme ralentit. Ses paroles deviennent floues. Soudainement, l'étranger annonce qu'il manque d'énergie et qu'il doit partir. Hopkins le conduit jusqu'à la porte d'entrée et l'observe descendre les marches. L'homme se cramponne à la rambarde, presque comme s'il était affaibli. Il boitille en disparaissant au coin de la rue. Une lueur éblouissante illumine soudain l'environnement. Puis le silence total. L'expérience laisse Hopkins profondément perturbé. Lorsque sa famille rentre à la maison plus tard dans la soirée, elle le trouve assis dans le salon, les traits tirés, éclairant la pièce de toutes les lampes disponibles. Durant les 60 années passées, une multitude de témoignages se sont élevés à propos des hommes en noir. Parmi eux, certains suscitent cynisme et même le ridicule franc de la part du grand public. Tenter de prouver leur existence demeure une entreprise des plus ardues. Dans la majorité des cas, la crédibilité de ces récits repose essentiellement sur la réputation de ceux qui les racontent. En 1968, Timothy Green Beckley parvient à capturer des preuves photographiques rares d'un homme en noir. Écrivain et ufologue, il écrira plus de 100 livres sur les ovnis, les Men in Black et autres phénomènes inexpliqués. Cette année-là, son ami et collègue ufologue Jim Mosley le contacte pour lui parler d'appels téléphoniques étranges et de symptômes soudains de vertige ainsi que d'étranges individus vêtus de noir qui les ont suivis à travers la ville. Les pensées de Beckley se dirigent instantanément vers les expériences d'Albert Bender survenues 16 ans plus tôt. Lorsqu'un appel paniqué de Mosley arrive, annonçant à bout de souffle qu'un intrus est entré chez lui et a fouillé ses documents sur les ovnis, Beckley conçoit un plan. Après avoir sillonné les rues aux alentours de l'appartement de Mosley, jusqu'à sentir qu'ils sont suivis, Mosley rentre chez lui, mais se faufile dans sa voiture au dernier moment, attendant Beckley. L'attente n'est pas longue, les deux amis repèrent l'homme en noir marchant dans la rue, qui se poste finalement devant une entrée en face de la résidence de Mosley. Mosley met la voiture en marche, Beckley saisit son appareil photo, se penchant rapidement par la fenêtre arrière pour capturer une image de l'homme mystérieux. Mosley trouve un endroit où se garer
effaré et se précipite vers l'emplacement où se tenait l'homme en noir. Mais l'étranger a disparu. Cependant, la photo prise constitue une preuve indéniable qu'un homme en noir surveillait la maison de Mosley. Beckley décède en 2021, à l'âge de 73 ans, convaincu d'avoir capturé l'une des très rares images d'un homme en noir. Les preuves photographiques ne valident pas les récits d'Albert Bender, mais les preuves circonstancielles méritent d'être prises en compte. Le cas Watts représente un exemple complet en matière d'observation d'OVNI, comprenant des éléments de contact, d'enlèvement et des photographies de haute qualité. Malgré cela, il est largement méconnu, principalement en raison de la rétractation ultérieure du témoin. L'aventure de Carol Watts commence le 31 mars 1967, alors qu'il rentre chez lui à Loco, au Texas, aux alentours de 22h30. Apercevant une lueur dans un bâtiment abandonné à proximité, il s'approche et découvre un objet cylindrique d'environ 30 mètres de long et de 2,50 m à 3 mètres de haut. L'objet est au sol, horizontalement. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un prototype en difficulté, il frappe sur la surface pour attirer l'attention. Une porte s'ouvre et une voix métallique l'invite à entrer pour subir un examen médical, qui pourrait éventuellement aboutir à un voyage dans l'espace s'il réussit. Hésitant, il ne franchit pas la porte et s'enfuit, tandis que l'objet s'envole silencieusement vers le sud. Dans les jours qui suivent, Carol Watts ne cesse de repenser à cet événement, promettant de saisir toute opportunité pour en apprendre davantage sur cet engin mystérieux. Son attente est rapidement récompensée. Le soir du 11 avril, l'objet revient accompagné d'un petit engin ovoïde. Cette fois, Watts ose entrer et rencontre l'équipage composé de 5 petits hommes mesurant 1,50 m environ. L'appareil décolle et après une période indéfinie, une sensation de vibration à l'arrivée, une porte s'ouvre sur une vaste salle où le témoin subit l'examen médical tant évoqué. Il perd ensuite connaissance et reprend ses esprits dans son siège de voiture. En rentrant chez lui, il se rend compte que seulement une demi-heure s'est écoulée. Lors de contacts ultérieurs, Carol Watts parviendra à prendre 11 photographies nettes du cigare, ainsi qu'une photo floue de l'un des êtres à bord. D'autres témoins de la région, ayant également observé des ovnis, l'affaire parviendra aux oreilles de l'Air Force qui la transmettra au comité Condon. Watts envoie des copies de ses photos au comité, accompagnées de son témoignage détaillé sur son expérience. Le docteur Heineck, expert en ufologie, déclare qu'à première vue, il ne semble pas s'agir d'une fraude. Cependant, pour en avoir le cœur net, il propose de soumettre le témoin au détecteur de mensonges. Lors du test administré, Carol Watts échoue. Sous la pression, il craque et avoue que son histoire lui a été suggérée par des moyens hypnotiques par un artiste local. Il affirme avoir intentionnellement trompé le test, expliquant que sa famille avait été menacée et qu'il avait été agressé. Alerté, le FBI récupère 4 photos du vaisseau. Voici ce que Watts raconte aux enquêteurs. Alors que je me rendais à Amarillo pour passer le test, une Plymouth 55 était garée sur le côté de la route et une jeune femme blonde d'environ 25 ans essayait d'ouvrir le toit des cabines. Je m'arrête pour l'aider. Soudain, je reçois un coup à l'arrière de la tête. Je tombe, mais je ne perds pas connaissance. Je vois deux hommes, l'un pointe une arme automatique sur moi. Il me dit « Si tu réussis ce test, nous te retrouverons. Maintenant, dégage !» Alors je suis parti. Après être rentré chez lui tard dans la soirée et avoir expliqué à sa femme comment il a raté le test, une voiture passe devant sa maison et l'asperge de rafales de mitraillettes à la manière des gangsters d'Al Capone dans le Chicago des années 30. Un groupe spécialement dédié à faire taire les témoins d'OVNI trop crédibles existe bel et bien, et ses activités ne sont couvertes par aucune agence gouvernementale. Les MIB impliqués dans cet épisode semblent être terrestres et recourir à des méthodes très basiques. Ceci contraste avec d'autres témoignages où les entités en question présentent des caractéristiques plus exotiques. Le Robertson Panel est une commission d'enquête scientifique établie en janvier 1953 sous la direction du professeur Howard Robertson. Ce simple fait est une preuve indéniable de la prise au sérieux par la CIA des ovnis et des phénomènes associés. Le comité Robertson a des préoccupations spécifiques concernant le phénomène ovni, qualifié de menace indirecte pour les États-Unis. Le comité Robertson recommande une campagne d'éducation du public. Les méthodes proposées, bien que semblant sorties d'un scénario de théorie, du complot sont soumises aux plus hauts échelons de la CIA. Le rapport préconise une démystification progressive du phénomène pour réduire l'intérêt public pour les soucoupes volantes. Cette démystification se diffuserait par les médias de masse tels que la télévision, le cinéma et les journaux. Le rapport recommande également une surveillance étroite
des groupes civils d'ufologie pour détecter toute infiltration soviétique. Curieusement, seulement 6 mois après la rédaction de ces recommandations, la campagne d'intimidation contre Albert Bender débutait. Il est intéressant de noter que les symptômes physiques tels que les Men in Black infligés à Bender, c'est-à-dire les vertiges, la confusion mentale, les maux de tête et les nausées soudaines, trouvent un écho étonnant dans le syndrome de la Havane. En 2016, des diplomates américains en poste à Cuba ont commencé à ressentir les premiers symptômes du syndrome de la Havane. Depuis lors, plus de 100 Américains en mission dans diverses régions du monde ont été touchés par ces symptômes. Dans un premier temps, on pensait que ce syndrome était causé par une attaque biologique cubaine, mais les agences de renseignement américaines conclurent finalement à une arme sonique ciblée. La question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que le gouvernement américain avait déjà accès à une arme sonique de ce type il y a environ 70 ans? Tout ne peut être que spéculation, mais dans un monde où le service de renseignement britannique ont secrètement inventé l'ordinateur moderne dans les années 30, gardant le secret jusqu'aux années 70, des avancées similaires ont plausiblement été réalisées par d'autres nations. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'Albert Bender n'était pas un homme malade. Il a en fait vécu longtemps et en bonne santé jusqu'à son décès à l'âge de 95 ans le 29 mars 2016. Pouvait-il réellement vivre longtemps en dépit de maux de tête, de nausées et de vertiges sévères dès la trentaine? Quelles que soient les moqueries des sceptiques envers l'idée des extraterrestres et des ovnis, ils ne peuvent pas nier que les États-Unis ont pris au sérieux la possibilité de rencontres extraterrestres en désignant Howard Robertson l'un des esprits les plus éminents pour enquêter. Né en 1906 dans l'État de Washington, le professeur Robertson se distingue rapidement comme une autorité, voire un génie, en mécanique quantique, en physique, en chimie et en balistique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est recruté par les services de renseignement américains pour protéger le pays des missiles de l'Axe, tout en servant de conseiller scientifique pour le comité de recherche de la défense nationale. La CIA lui confiera alors l'enquête sur les observations d'OVNI dans les années 50. L'une des plus grandes intelligences des États-Unis, dont le génie a contribué à la victoire des Alliés sur l'Allemagne d'Asie, suggérera que le gouvernement collabore avec l'industrie du divertissement pour détourner l'attention du public des OVNI. Le rapport du panel Robertson souligne spécifiquement que la culture populaire pourrait être un moyen efficace de diffuser cette propagande. Le rapport va suggérer que des entreprises comme la Walt Disney Company soient impliquées pour évangéliser le message « il n'y a rien à voir concernant les ovnis ». Disney produisit plusieurs dessins animés à caractère propagandiste pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ce court-métrage percutant où Donald Duck faisait un cauchemar où Hitler dirigeait l'Amérique et où le puissant Education for Death montrait un jeune Allemand se transformant progressivement en un monstre nazi. Ces images ont eu un impact révolutionnaire et extrêmement efficace en leur temps. Cependant, le public moderne est bien plus avisé pour être influencé par de telles méthodes démagogiques. Comment alors répandre à l'évangile qui minimise l'importance des étranges lumières dans le ciel et les observations d'aéronefs extrêmement avancées? Cela nous amène aux générations X, Y et les Millennials. En 1998, Hollywood sort deux superproductions estivales centrées sur la menace imminente d'astéroïdes géocroiseurs. Le film Deep Impact visera principalement un public éduqué universitaire, introduisant des termes comme événement d'extinction qui n'était auparavant discuté qu'au sein de la NASA et dans les pages peu lues des revues académiques. Le deuxième film, Armageddon, mettant en vedette Bruce Willis et Ben Affleck, visera directement ce que l'on appelle le public pop. Le grand public eut ainsi une bien meilleure compréhension de la réalité des dangers liés aux astéroïdes frôlant la Terre. L'idée qu'un astéroïde puisse représenter une menace pour l'humanité était autrefois jugée absurde. Cependant, à l'aube du nouveau millénaire, les principaux médias commenceront à prendre le sujet au sérieux. De nombreux ufologues pensent que la recommandation de Robertson de manipuler la culture pop a pour but de rendre les gens plus enclins à accepter l'idée que des extraterrestres sont présents sur Terre. Le terme « Men in Black » a lui-même été popularisé dans les années 60 par l'auteur Roy Palmer pour décrire les rencontres effrayantes avec des agents mystérieux déterminés à faire taire toute discussion sur les ovnis. Désormais, essayez de rechercher ce terme sur Google et vous devrez parcourir de nombreux liens, publications, critiques, bandes annonces et extraits de films avec Will Smith avant de trouver un seul article sur les véritables phénomènes des MIB. De nos jours, les stratégies utilisées pour détourner l'attention du public sont bien plus sophistiquées. Dans les films à succès, Men in Black, Will Smith et Tommy Lee Jones utilisent un petit dispositif argenté pour effacer la mémoire de toute personne ayant été témoin de quelque chose de troublant ou ayant découvert trop de secrets. La
vérité pourrait bien être que le grand écran lui-même exerce le lavage de cerveau. Ainsi, la suggestion du professeur Robertson s'est avérée prophétique. Certains ufologues ont établi un lien entre les Men in Black et les mystères non élucidés du passé. L'idée de la vie sur d'autres planètes n'a véritablement émergé qu'à la fin des années 1800, lorsque des auteurs comme Herbert George Wells imagineront des invasions malveillantes venant de l'espace. Ces écrivains ont ainsi jeté les bases de la science-fiction. Auparavant, la conviction générale affirme que la vie ne pouvait exister au-delà de notre minuscule sphère terrestre. Au début du XXe siècle, des intelligences supérieures à la nôtre et potentiellement mortelles nous surveillent de près. Alors que les êtres humains se concentrent sur leurs propres préoccupations, ils sont observés et étudiés par des êtres possédant une compréhension de la réalité bien supérieure à la nôtre, semblable à celle d'un homme observant au microscope les créatures éphémères qui prolifèrent dans une goutte d'eau. Les humains sont insouciants et confiants dans leur domination de la Terre, ignorant que dans les abîmes de l'espace, des esprits froids, vastes et antipathiques fixent la planète avec envie. Lentement mais sûrement, ils élaborent des plans contre nous. Wells, maître incontesté de la science-fiction, écrira La Guerre des Mondes, à la base d'une célèbre émission radio qui fit paniquer des milliers d'auditeurs dans tout le pays. H.G. Wells a d'abord critiqué cette radiodiffusion, mais plus tard, réalisant que l'émission, tout comme son histoire, n'était pas destinée à semer le chaos, mais simplement à divertir, il deviendra un bon ami d'Orson Welles. Wells et son Mercury Theater on the Air a conçu cette émission de manière à donner l'impression que les événements de l'histoire se déroulent en direct. Cela suscitera la panique chez certaines personnes qui ont cru que des extraterrestres envahissaient réellement la Terre. Les documents historiques des îles britanniques suscitent l'enthousiasme des historiens du monde entier. Les habitants de l'Angleterre et des nations voisines consigneront en effet les détails de leur vie bien avant l'ère obscure. Parmi les comptes rendus de batailles anciennes, de mariages, de naissances, de décès et de jugements rendus par la justice royale, on trouve des notes d'une variété bien moins ordinaire. Le soir du 4 septembre 1665, alors que les villageois vaquent à leurs occupations, à Great Massingham, des lumières étranges attirent leur regard vers le ciel. Des dizaines de personnes se rassemblent pour observer les lumières tournoyer et envelopper la campagne pendant plus d'une heure. Ce qui a pu être observé dans le ciel lors de cette soirée d'été lointaine pourrait être des étoiles filantes ou peut-être, comme le suggère un sceptique, la lueur du grand incendie de Londres qui faisait rage à 160 km au sud, se reflétant sur les cristaux de glace à l'intérieur de formations nuageuses denses. Le jour suivant, trois étrangers font leur apparition dans le village. Leur peau est étrangement pâle, ce qui, dans un pays connu pour ses étés courts et ses pluvieux, ne paraît peut-être pas si inhabituel. Cependant, ce qui attire vraiment l'attention, ce sont leurs vêtements noirs qui les recouvrent entièrement. Ces trois individus, inconnus, se dirigent vers l'auberge locale et commencent à poser des questions sur ce que les habitants ont observé dans le ciel la nuit précédente. Massingham, avec sa population de 900 habitants aujourd'hui, ne comptait il y a 500 ans que 200 personnes environ, ce qui en faisait un lieu isolé et peu enclin à accueillir des étrangers. Est-ce l'homme au tempérament fort, Gilles Berkshire, qui eut l'impression qu'un interrogatoire belliqueux s'amorçait? Alors qu'il leur sert leur bière chaude, il les observe attentivement à travers l'auberge et leur signifia qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Les trois étrangers restèrent impassibles lorsque Berkshire les accompagna dehors, mais au moment où il s'apprêtait à leur expliquer les conséquences s'ils revenaient, il fut frappé au sol, non pas par un poing, mais par une force invisible. Pendant que les clients de l'auberge, stupéfaits, se rassemblent dans la cour, l'un des trois étrangers déclare « Ne mentionnez plus ce que vous avez vu dans le ciel hier soir ». Sur ces mots, ils quittèrent la ville en direction de la forêt. Une chasse à l'homme s'ensuivra avec chiens et fusils, mais elle se soldera par un échec. Les trois individus ont disparu. Les villageois se retrouvent avec une histoire de la nuit des sorciers qui se transmettra jusqu'à nos jours. Une histoire similaire, datant de la même année, surgit près de la frontière anglo-écossaise. Elle raconte que deux hommes, à la peau pâle et vêtus de noir, ont agressé un fermier après avoir exprimé leur mécontentement concernant ses souvenirs d'une étoile filante au début du mois. Le fermier affirme également que les hommes en noir se sont volatilisés dans les bois environnants. Sa propre explication évoque l'idée que ces individus étaient en réalité des loups-garous qui se sont mis à quatre pattes pour échapper à sa poursuite. Les récits historiques sur les sorciers
sorciers, les loups-garous, les fées et autres créatures surnaturelles décrits avec leurs habits sombres, leurs yeux rougeoyants et leurs teint blêmes est en fait documenté des visites de Men in Black. Combien de temps ces personnages inquiétants ont-ils erré dans les ombres, manipulant notre compréhension et notre interprétation de l'inconnu ? Spring Hill Jack est une figure tristement célèbre du folklore britannique qui a semé la terreur dès que sa première apparition en 1837. Surnommé ainsi en raison de sa capacité à défier la gravité en sautant par-dessus des bâtiments entiers, ce sinistre personnage est décrit vêtu de noir, des yeux rouges flamboyants et un visage blême. Jack s'introduisait dans les maisons, se faisant passer pour un policier ou un fonctionnaire, avant de proférer et même de mettre à exécution des menaces de violence. Les artistes de l'époque victorienne rendront ces descriptions de témoins oculaires sous la forme d'une créature démoniaque, un monstre féroce tout droit sorti des pages d'un roman d'horreur gothique. Mais n'est-il pas envisageable qu'un artiste contemporain prenne ces mêmes éléments, les vêtements noirs, la peau pâle, et en fasse un dessin qui ressemblerait étrangement à notre perception moderne d'un Men in Black? Un incident survenu en Grande-Bretagne en 1954 pourrait peut-être servir de lien entre la compréhension surnaturelle et celle de l'ère du phénomène ébibé. Cannock Chase, un village du nord-ouest de l'Angleterre, se trouve entouré par les forêts d'un gris profond. Pendant la journée, ces bois millénaires offrent un cadre pittoresque pour des échappées, des pique-niques et des promenades avec les chiens. Cependant, lorsque la nuit tombe, la forêt devient un lieu bien plus inquiétant. Ces arbres érigés et ces sentiers sinueux créent une barrière entre les quelques milliers de résidents de Cannock et les villes situées à des kilomètres de là. La forêt de Cannock Chase a servi de toile de fond à de nombreux événements paranormaux et légendaires où des apparitions de démons, de loups-garous et de vampires remontent à l'âge des ténèbres. Parmi toutes ces histoires de créatures surnaturelles et d'êtres maléfiques émergent des récits cohérents d'hommes minces, de grands étrangers vêtus de noir qui surgissent de nulle part pour semer la terreur. Slenderman, un personnage qui s'intègre dans le folklore mondial depuis plus de 1000 ans, trouve sa place dans cette région. Remontant jusqu'aux Celtes, ces personnages diaboliques étaient appelés les hommes noirs. Les Vikings les désignaient comme les branches et les Saxons les nommaient les hommes de grande taille. Des rencontres avec des êtres similaires à Slenderman ont été signalées dans les bois et les sentiers sauvages et sinueux entourant Cannock. En 1954, une résidente du village affirme qu'un de ces mystérieux individus est entré chez elle sous prétexte d'être un inspecteur de police. L'homme est anormalement grand, pâle, vêtu d'un costume d'un noir profond, d'une cravate et d'une chemise d'une blancheur éclatante. L'homme correspond à la description de Slenderman, posa des questions concernant une lumière observée dans le ciel nocturne le week-end précédent. Le mystérieux étranger continue à questionner la femme pendant environ 20 minutes, puis esquissera soudain un sourire et quittera les lieux. La femme observe l'étranger s'éloigner lentement dans la rue. Au lieu de monter dans l'une des voitures garées, il continue de marcher en direction de la forêt. Avec horreur, elle remarque l'homme semblait grandir au fur et à mesure qu'il avançait. Selon ses dires, sa taille semblait dépasser les 2,15 m lorsqu'il disparut parmi les arbres. Le 30 novembre 1987, à l'aube, sur Hickleymoor dans l'est du Yorkshire, l'ancien policier Philip Spencer s'apprête à prendre une photographie du village de Menston. Soudain, il aperçoit une entité entourée d'une lumière verte à une certaine distance devant lui. Ensuite, il ne se souvient plus de rien. Il se réveille à Menston, désorienté. Aussitôt, il fait développer sa pellicule. Sur l'une d'elles figure la fameuse entité. Désemparé, Spencer décide de s'adresser à l'ufologue Jenny Randers. Celui-ci le met en rapport avec un autre chercheur, Peter Hoog, qui suggère à Spencer de se soumettre à une enquête approfondie. Philip Spencer accepte de le collaborer, mais environ 6 semaines plus tard, il reçoit la visite inattendue de 2 hommes qui prétendent être des agents des services de renseignement de la Royal Air Force. En lui montrant rapidement et de loin leur laissez-passer officiel, ils déclinent leur nom, Jefferson et Davis. Puis ils expliquent que leur mission consiste à récupérer la photographie que Spencer a prise à Hickleymoor. Mais celui-ci a déjà remis la photo à Hoog. Mécontents, les visiteurs repartent bredouille. Comment ces étrangers connaissaient-ils l'existence de cette photographie? Spencer n'en avait parlé qu'à sa femme, à Peter Hoog, à Jenny Randles et à Arthur Tomlinson, un autre ufologue enquêtant sur cette affaire. Informé de la mésaventure de Spencer, Hoog contacte les services de renseignement de la Royal Air Force pour obtenir confirmation de l'identité des visiteurs. On lui répond que personne de son nom n'existe et qu'aucun membre des services en question ne s'est rendu chez Spencer. Devant ces faits troublants, Hoog parvient à la conclusion que Spencer a été la victime d'un des sous-produits les plus curieux du phénomène ufologique moderne, une visite des hommes en noir.
En 2012, une intéressante vidéo fait son apparition sur la toile. Le film en question a été enregistré 4 ans auparavant, en 2008, par une caméra de surveillance placée dans le hall d'un hôtel à proximité des chutes du Niagara, dans la province de l'Ontario, au Canada. 15 jours avant cette captation, l'un des employés de l'hôtel est témoin d'un phénomène ovni des plus étranges au-dessus de la rivière Niagara aux premières heures du matin. Il partage cet événement avec des amis et des collègues. Cette histoire conduira à une visite aussi inattendue qu'énigmatique de deux individus vêtus de noir. La caméra saisit ces deux silhouettes alors qu'elles pénètrent dans le hall de l'établissement. Leurs démarches sont parfaitement synchronisées, leurs habits identiques et leurs traits semblent calqués l'un sur l'autre. Des témoins décrivent leurs silhouettes élancées et leur grande taille, les comparant presque à des jumeaux authentiques. La présence de ces hommes en noir perturbe profondément les clients de l'hôtel et les employés. L'atmosphère n'est pas seulement empreinte de leur attitude menaçante, mais aussi de leur comportement étrange. Leur description rappelle étonnamment celle de l'étranger ayant rendu visite à Hopkins. Grande taille, minceur prononcée, absence totale d'émotion ou d'expression perceptible. Leurs yeux, glacés d'un bleu cristallin, sont qualifiés d'hypnotiques. Des témoins notent que leurs yeux ne clignent à aucun moment. Encore une fois, ceux qui entrent en contact avec eux ressentent une certaine vulnérabilité, comme si leurs pensées les plus intimes étaient lues d'une manière ou d'une autre. Ces étrangers demandent à parler à l'observateur de l'OVNI. Par chance, ils n'étaient pas au travail ce jour-là. Ces hommes étranges se tournent alors vers le personnel de l'hôtel pour discuter des observations d'OVNI en général, ainsi que des théories du complot. Leur satisfaction ou insatisfaction reste indéchiffrable, ils recueillent simplement les informations avant de passer à autre chose. Et puis, aussi brusquement qu'ils sont apparus, ils disparaissent et plus personne n'entend parler ni ne les recroise. Alors se pose la question, que devons-nous croire? Les hommes en noir sont-ils simplement humains ou dissimulent-ils une nature non humaine en eux? Peut-être sont-ils une fusion des deux? Et si les êtres humains et les extraterrestres travaillaient main dans la main poursuivant un objectif commun? Mais existent-ils seulement? Les preuves demeurent plus que ténues. Même les images provenant des caméras de sécurité de l'hôtel en Ontario sont sujettes à débat. Leur apparition sur Internet coïncide étrangement avec la période de promotion du troisième volet des Men in Black, un fait qui pousse bon nombre de sceptiques à penser qu'il s'agit simplement d'une campagne de marketing viral. Cependant, cette explication ne tient pas compte de la date d'enregistrement en 2008, ni des nombreux témoignages corroborant l'incident. Les sceptiques soulignent volontiers que le phénomène des hommes en noir semble majoritairement concentré en Amérique du Nord, ancré dans le terreau du folklore américain. Le sommet de sa notoriété remonte aux années 50, une période où la paranoïa vis-à-vis des objets volants non identifiés atteint son apogée. Ses détracteurs affirment que tout a commencé avec un seul homme, Albert Bender. Ils avancent que les autres témoignages ne seraient que le fruit d'imitateurs et d'opportunistes cherchant à amplifier la légende. Cependant, cette vision n'est pas tout à fait exacte. Les récits concernant les hommes en noir ne se limitent pas aux États-Unis. Des rencontres similaires ont été signalées en Europe, en Australie et dans d'autres coins du globe. Bien que la plupart de ces descriptions modernes de ces individus trouvent leur origine dans les récits de Bender, le phénomène ne date pas des années 50 et remonte en réalité à plusieurs siècles auparavant. Au Moyen-Âge, des récits font état de rencontres avec des hommes vêtus de robes noires et coiffés de chapeaux sombres. Ces êtres malveillants, au pouvoir inhumain, éveillent la peur tant leur apparence et leur comportement semblent étranges. Leur description demeure étonnamment constante. Cette constance alimente l'idée qu'ils pourraient être tous une seule et même manifestation, celle du diable. Peut-être sont-ils d'ordre spirituel, voire surnaturel. Certaines spéculations vont jusqu'à évoquer une nature démoniaque pour les hommes en noir, établissant des liens avec des figures de l'ombre, notamment l'homme au chapeau, pour des raisons évidentes. Des parallèles sont également tracés avec les enfants aux yeux noirs. Des témoins assurent avoir vu des hommes en noir et des enfants aux yeux noirs circuler dans les mêmes véhicules. En dépit de cette théorie, au sein de la communauté s'intéressant à ces phénomènes, une croyance largement répandue veut que les hommes en noir soient en réalité des visiteurs extraterrestres ayant infiltré divers gouvernements à travers le monde. Pire encore, ces gouvernements seraient conscients de leur présence et collaboreraient avec eux. Mais dans quel but? Seule une supposition reste possible. Quelle que soit la véritable nature des hommes en noir, il est indiscutable qu'ils éveillent une terreur profonde. Les témoins se sentent fréquemment intimidés, menacés et profondément troublés après une interaction avec eux. Qu'ils soient agents gouvernementaux, êtres extraterrestres, entités paranormales ou simples créations de l'imagination, l'idée de les rencontrer en personne suscite une peur irrationnelle.
opérationnel. Si par hasard vous deviez apercevoir un objet volant non identifié ou être le témoin d'un autre événement surnaturel, il est conseillé de résister à la tentation d'ouvrir la porte si, au beau milieu de la nuit, un coup venait à retentir.